C'est ce soir sur Canal Plus série qui diffuse la saison 3 de The Strain à 21h30. Absolument, à H+24 par rapport aux États-Unis, puisque donc le premier épisode de cette saison 3 a été diffusé hier soir sur FX et nous l'avons déjà grâce à Canal Plus série. The Strain, c'est la série créée par Guillermo del Toro, le cinéaste mexicain, l'auteur de Hellboy, du Labyrinthe de Pan, et de son co-auteur Chuck Hogan. Ils ont d'abord écrit 3 livres qui s'appelaient La Lignée, et puis ils ont décidé d'en faire une série. C'est une très classique histoire de vampires. Il y a 23 jours calendaires dans l'histoire de la série, un avion a atterri sur l'aéroport de New York, à son bord 206 cadavres et une étrange sépulture, l'étrange sépulture recelant bien sûr les restes du maître, une entité vampirique qui a décidé, grâce à la complicité d'un très méchant, richissime homme d'affaires, de conquérir New York et de nous transformer soit en ses esclaves, soit en chair à pâté. Je vous propose de regarder quelques images. Ça donne envie. United States announced plans for a massive surge deployment of National Guard troops and U.S. Army reserves to push into New York City and wipe out the infected enemy. But when new outbreaks occurred in other cities, military support was redistributed to other population centers in the hope of halting the spread of the disease and, just as importantly, the spread of panic. The invading presence was a far graver threat than anyone ever imagined. If humanity had any hope of defeating this plague, it had to happen now or never. Bon voilà, les vampires, c'est plutôt, ça y est, on commence à avoir l'habitude, c'est plutôt à la mode dans le cinéma, dans les téléromans. Qu'est-ce qui fait la différence là dans cette série ? Guillermo del Toro, ce cinéaste mexicain complètement fou de la culture européenne, fait partie de ces cinéastes américains qui rêvent de l'Europe, de sa culture, de sa littérature. C'est une adaptation évidemment de Dracula, de Bram Stoker. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est fasciné par le nazisme et par le mal. On retrouve d'ailleurs cette dimension-là, puisque le très très méchant est un ancien capot, un ancien SS, et que contre lui, il a un ancien rescapé des camps. Et l'idée de Guillermo del Toro, c'est que les monstres, c'est pas nécessairement ceux qui nous attaquent, c'est peut-être nous-mêmes.